Bonjour fans de Roseau, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'expérience que toute l'équipe avec moi avons eue à Kong. Au niveau de Kong, il faut dire qu'après plus de 30 ans d'existence, c'était la première fois pour l'équipe de production d'y arriver. Il faut reconnaître qu'on se demandait au sein de l'équipe comment ça allait se passer, comment on allait être reçu, et puis on arrive, bao, on est bluffé. Parce que l'accueil, oh mon Dieu! Les autorités étaient présentes à nos côtés, les populations sont sorties, mais en grand nombre, c'était extraordinaire. Le maire n'était pas là, mais le maire résident était bien représenté, le préfet. On se dit, mais attends, c'est vrai, ils nous attendaient depuis longtemps ceux-là. Concernant les points marquants à Kong, il faut dire que tout nous a marqué, mais je voudrais m'arrêter, c'est vrai, tout à l'heure sur l'accueil, mais aussi sur la sécurité. De toute l'histoire de Roseau, depuis que je présente cette émission, ça fait 11 ans maintenant, je crois, avec l'équipe, on a remarqué le dispositif sécuritaire. Jamais on n'a eu un tel dispositif. Et on a eu l'impression que c'était le dispositif qu'on réservait au président de la République. On s'en est senti véritablement honoré. C'était extraordinaire. Et au point où un des sponsors a fini par saluer Madame la police, Madame la douane, Madame la gendarmerie, parce qu'on ne savait pas comment leur dire merci, tellement ils nous ont impressionnés. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de Kong sans parler du soleil. Heureusement d'ailleurs pour nous que la veille des présélections, il avait plu. Donc nous, on s'en sortait difficilement, mais les autres disaient « Mais ça, c'est pas trop chaud, on est habitué. » On dit « Oh mon Dieu !» C'était un peu difficile pour l'équipe, mais bon, grâce à leur accueil chaleureux, on a pu supporter le soleil jusqu'à la fin. Kong, chapeau avec le soleil. Plusieurs choses nous ont marquées, je vous dis. Et là, je veux m'arrêter sur la langue. Bon, Tata Naomi ne parle pas vraiment le Bambara, mais il fallait que je m'y mette parce que tous les animateurs étaient obligés de parler Bambara pour bien se faire comprendre. Des enfants, des plus jeunes, des mamans dans les marchés pour dire qu'on était là. Donc, si vous voulez partir à Kong, ayez quelques notions du Bambara, c'est important. Il était impossible d'arriver à Kong sans passer par la grande mosquée et c'était bon de voir tous les membres de l'équipe marquer une pause, faire des vœux, prier, chacun pour son sujet personnel, chacun pour la mission qui était la nôtre, celle de rendre les populations heureuses avec leur émission préférée aux vacances. On a passé un bon moment à la mosquée et pour terminer, moi j'ai envie de dire que sur le plan personnel, j'ai été très émue de voir que très loin, au fin fond de la Côte d'Ivoire, des enfants, des mamans, des papas, des tontons, des tantis connaissent Tata Naomi. À me voir, ils étaient heureux. J'ai été vraiment émue de voir ce monde sortir. Ceux qui pleuraient pour faire des photos avec moi. Je me dis, mais c'est la première fois que j'arrive. C'est vrai qu'ici, on me connaît. Ça a été une expérience extraordinaire. Je voudrais encore remercier le maire. Je voudrais remercier toute la municipalité. Je voudrais remercier toutes les populations, le préfet. Franchement, je voudrais vous dire merci. Et c'est votre amour, ce sont vos prières qui nous donnent à repousser nos limites. Merci pour tout cet amour. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Kong.